Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de Turf FR, et bienvenue dans la minute quintée du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du mardi 19 mai sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Comme le veut la coutume, revenons sur le quintet plus de la veille qui avait lieu ce dimanche sur l'hippodrome d'Auteuil. Le prix du président de la République est revenu au numéro 16 Django, entraîné par Patrice Quinton lors d'une arrivée très difficile à déchiffrer. Notons que Top Prono donne un nouveau tiercé des ordres à plus de 100 euros. Pour ce qui est du classement du concours de pronos gratuits, pas de gros vainqueurs ce jour, même s'il convient de souligner les performances de Petit 15, Bayonnais et Bébert 80, qui composent le podium grâce à un joli tiercé des ordres. Bravo à eux trois. Allez, étudions un nouvel handicap divisé de première épreuve s'annonçant difficile à déchiffrer. En ce mardi 19 mai 2020, le prix de la Gloriette sera support du tiercé quarté quinté plus. Cette sixième course de la Réunion 1 se disputera sur le parcours des 2000 mètres de la piste en gazon. Ils seront 18 galopeurs âgés uniquement de 4 ans à se regarder dans le blanc des yeux ici. Top Max, le numéro 5, sera le favori de cette compétition et peut-être même son grandissime favori. Impressionnant de régularité, pour sa rentrée, il ne devrait pas taper loin du compte. Fermante, le numéro 3, est un oncle de 4 ans à la robe grise participant ici à son premier handicap. Christophe Soumillon, le connaissant sur le bout des doigts, c'est la chaleur dans l'entourage. Rhea Benson, le numéro 7, tente le coup au niveau handicap. À cette valeur et avec Stéphane Pasquier aux commandes, il peut jouer le succès. Richemont, le numéro 2, aura l'avantage d'avoir déjà couru plusieurs fois cette année et il compte bien en profiter. Noxareno, le numéro 8, sera associé à un Michael Barzalona montant souvent à bon escient dans les quintés plus. Carter & Co, le numéro 4, a de la classe et compte bien prouver à tous qu'il peut se sortir du numéro 18 dans les stalles de départ. En cas de non partant, Matandar, le numéro 1, entrera alors dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, nous vous souhaitons à tous un bon quinté plus et à demain pour une nouvelle minute quinté.